Ces images sont celles de la réunion du comité de pilotage de projet Profit Congo, réunion tenue vendredi 20 décembre 2019. Projet axé autour du renforcement de la redevabilité et de la gestion de finances publiques pour la validation du PTBA, programme de travail budgétisé annuel. Organisée chaque fin d'année au ministère des Finances qui en assure la présidence, cette rencontre a réuni tous les bénéficiaires du projet afin de passer en revue ce qui a été réalisé en 2019 et projeter les activités à exécuter pendant l'année 2020. C'est un projet qui finance les différents piliers de la stratégie de réforme des finances publiques adoptée par le gouvernement au mois de mars 2010, notamment la réforme budgétaire, le renforcement du système comptable, la gestion de la dépense publique, la gestion comptable et gestion de trésorerie, le renforcement du système de contrôle et l'appui aux finances publiques provinciales. Les bénéficiaires de ce projet sont nombreux et variés. La société civile, les provinces, la Direction générale de dette publique, la Cour de comptes, l'Inspection générale de finances, le Comité permanent de la comptabilité au Congo, toutes les trois régies financières, DGDA, DGRAD et DGI. Je prends par exemple les projets phares au niveau de la direction de la DGI, les projets sur les caisses enregistreuses. Heureusement, jusque-là, dans les besoins exprimés par la DGI, ce projet n'a pas été retenu. Or, nous savons que les caisses enregistreuses vont jouer un rôle déterminant dans surtout ce qui concerne l'efficacité de la TVA. Aujourd'hui, au niveau de la TVA, on enregistre un stock assez important en termes d'arriérés de TVA remboursables. Ce stock peut être dû au fait que la comptabilisation, au niveau de la comptabilisation de la TVA, il s'est posé beaucoup de problèmes. Or, jusque-là, cet instrument, donc les caisses enregistrées, ne sont pas encore couvertes par un financement adéquat. Donc, il faudrait rapidement trouver des solutions. Avec IDA 18, il est resté une queue variant entre 800 millions à 1 milliard de dollars. Nous allons voir dans quelle mesure le gouvernement peut prendre langue avec la Banque mondiale pour essayer de diriger cette queue vers certains projets qui ne sont pas encore couverts en matière tout justement des réformes des finances publiques. Autre bénéficiaire, non le moindre, le Parlement, l'Assemblée nationale d'un côté et le Sénat de l'autre. Nous sommes heureux de constater que les activités que nous considérons comme capitales importantes pour l'Assemblée nationale et le Sénat ont été prévues. Il s'agit notamment du renforcement des capacités des honorables députés et sénateurs pour tout ce qui concerne les questions en rapport avec le cadre macroéconomique et l'élaboration, tout comme l'exécution du budget. À propos du budget programme, toutes ces structures ont également fait le point sur les avancées déjà enregistrées depuis la démarche vers cet objectif. Et les rendez-vous restent pris pour 2023. Et le travail se poursuit quant à ceux.